Il ne faut pas avoir peur de faire face à la réalité, en fait. Personne n'est parfait. La perfection sur cette terre, on l'acquiert en Jésus. On n'a pas besoin d'être parfait. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit de s'être trompé, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de regarder en face une blessure, un regret, une déception que l'on a de nous-mêmes, parce que c'est le seul moyen d'avancer. Parfois, on peut le faire seul. D'autres fois, il faudra peut-être un regard extérieur, peut-être discuter avec quelqu'un, un groupe d'amis, jouer le jeu en fait, en disant hey, « je t'aide à faire un miroir, tu m'aides à faire un miroir ». Peut-être qu'il faudra voir un thérapeute. Bon, moi je suis thérapeute, donc j'ai tendance à filtrer avec ça, mais des fois on a besoin d'un regard extérieur de quelqu'un qui dit « écoute, faisons le point sur où tu en es aujourd'hui en fait ». Et quand on nous pose les bonnes questions, un petit peu ce qu'on est en train de faire avec « on est ensemble hein, », se donner la permission de se poser les bonnes questions va nous permettre d'avancer. Donc il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de condamnation. De toute façon, si quelque chose remonte et que vraiment on a besoin de la porter au pied de la croix et demander pardon au Seigneur, il va nous pardonner et nous permettre d'avancer, de grandir. Quand on regarde Pierre avec Jésus, il a quand même fait des grosses boulettes en reniant son sauveur, et pourtant Jésus lui a pardonné, il lui a dit 3 fois « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre avait renié 3 fois et Jésus lui a dit « Mais c'est sur toi que je vais construire mon église, il y a une vie après. » Une fois que je t'ai pardonné, il y a une vie après. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire face, peut-être à des choses qui ne sont pas forcément glorieuses, parce qu'on va en tirer du mieux, en fait. Ça va nous permettre d'avancer. Donc, soit on arrive à le faire seul, soit on le fait avec un groupe d'amis, soit on le fait avec un thérapeute.